Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est une vidéo sur les soldes beauté que j'ai pu faire cet été. Oui, les soldes sont finis et honnêtement, travaillant dans le commerce, je trouve que ça fait du bien. On va pouvoir passer enfin à autre chose, aux nouvelles collections et tout ça. Fini les étiquettes, voilà. C'est cool, les soldes c'est méga cool, mais en tant que commerçant, j'avoue que c'est beaucoup de boulot. Alors, en tant que cliente, j'ai pu faire quelques belles affaires. Déjà au niveau des vêtements, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo lookbook soldes où j'ai fait pas mal de looks, j'ai composé pas mal de looks en noir. En tout cas, je vous laisse aller la checker, je la mettrai juste en haut. J'ai fait des looks surtout dans les tons noirs parce que, avec mon nouveau métier en tant que make-up artiste chez MAC, on nous demande d'être tout le temps en noir en fait, tout simplement. Donc. Je me suis dit, je vais acheter beaucoup de fringues noires, comme ça je pourrais très bien les mettre au boulot, voilà, comme les mettre tous les jours et je me prends pas la tête. On va pouvoir passer au bon plan, à tout ce que j'ai pu trouver en termes de beauté. Ouais, parce que les fringues ça fait pas tout, faut aussi, tant qu'à faire, avoir un beau make-up. Et on va commencer tout de suite avec des articles que j'ai trouvés chez Claire's. Alors chez Claire's, il y a toujours des promos hein, de toute façon. Pas besoin d'attendre les soldes, vous savez, ils font toujours des promos de type 3 achetés, 3 offerts, des choses comme ça, donc des choses qui sont super attractives. Au final, c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent, mais on en dépense plus que ce qu'on pensait. Donc voilà. Je me suis racheté des boules de piercing déjà parce que les miennes, enfin mon piercing, en fait, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, j'ai pas fait exprès, je l'ai avalé, voilà, rip. Mais voilà, donc, alors pour tout vous dire, ils sont très jolis. Mais c'est un peu de la camelote dans le sens où le revêtement coloré, et ben, il reste pas en fait. Moi j'avais le vert, j'ai porté le vert, et en fait, avec le frottement, la salive, l'acidité, et effectivement le fait que ça se cogne un petit peu sur le palais, dans les dents, et ben mon verre, il est blanc. Voilà. Donc en fait, j'ai plus aucun revêtement coloré dessus. Donc ceux-là, ils vont finir pareil, ils vont finir blancs, j'en suis persuadée. Donc c'est un petit peu dommage, on essaie de prendre des couleurs pour changer. Et au final, on se retrouve avec un truc nu, quoi. Je me suis repris des faux ongles. Donc ceux-là, ils ont un petit côté holo. Et j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien les faux ongles clairs. Je pense que je vous ferai une vidéo très prochainement quand mon doigt aura guéri. Oui, je me suis fêlé le doigt dans mon couloir. C'est une histoire un petit peu loufoque. Et ouais, je pense que je vous ferai une vidéo sur comment bien poser les faux ongles parce que c'est vraiment une alternative quand on n'a pas le budget pour se faire poser du gel, quand on n'a pas le budget pour se faire poser du semi-permanent tout le temps. Ça reste, bon, ça fait fake, hein, on va pas se mentir, mais c'est joli, ça reste plus de 2 semaines quand c'est bien posé et ça dépanne quoi. Franchement, ça dépanne super bien. Je crois que jusqu'à présent, c'est mes faux ongles préférés. Et pourtant, j'ai une très mauvaise expérience au début avec les faux ongles Claire's où je trouvais que ça tenait que dalle. Et j'ai recommencé à vouloir essayer grâce à Zara Style sur YouTube. Je sais pas si vous la connaissez. Et ben franchement, elle m'a convaincue et je suis trop contente. Je suis trop contente. J'en porte assez régulièrement quand j'ai la flemme de me faire faire mon gel. Je porte ça et ça me va très bien. Ensuite, j'ai pris des petits cristaux comme ça. Parce que je voyais beaucoup, beaucoup de make-up sur Instagram avec des cristaux comme ça. Et j'ai vu la collection chez Claire, je me suis dit, oh, faut absolument que je m'en procure. Ça fait un effet. On peut faire des make-up un peu du coup festivalier et tout ça. Donc pour l'été, c'est parfait. C'est vraiment génial. Puis ils sont beaux quoi. Ils sont vraiment sympas. Après, bon, si on regarde de près, effectivement, ça fait un peu fake. Mais voilà, pour une photo, pour un événement, c'est vraiment cool. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi des pinceaux licorne multicolores. J'ai failli craquer, mais je me suis dit, bon, je peux pas tout prendre d'un coup. Donc j'ai pris ça. Mais éventuellement, ouais, les pinceaux licorne, si j'arrive à me les procurer avant la fin de la collection, oh, bah, j'hésiterai pas. Hein. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos, ils sont magnifiques. Ensuite, je suis allée à la boutique du coiffeur. Je sais pas si vous connaissez cette enseigne, mais dans ma ville, c'est une enseigne qui est ouverte il y a pas très longtemps, qui propose des produits professionnels en tant que coiffeur, en tant qu'esthéticienne, esthéticien, en tant que voilà, prothésiste ongulaire. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est accessible finalement à un tout un chacun. Quand on a envie d'avoir des produits de qualité à
à disposition, franchement, c'est le top. Allez chez un grossiste, vous investirez, mais vous saurez pourquoi. Je me suis pris de chez Peggy Sage, donc un top coat. Donc un top coat gel UV. Voilà. Et je me suis également pris une petite couleur. Donc qui est un rose pailleté. Je suis désolée si ça fait du bruit, mais j'ai mon chat qui veut absolument rentrer dans mon sac de shopping. Athéna! Donc comme je disais, c'est un super joli rose. Alors il m'a l'air un petit peu transparent, rose translucide avec des paillettes. Et ben j'ai vraiment hâte de le tester. Bon, j'ai été faire mon premier tour chez NYX aussi, c'est la première fois que j'achète chez eux. Et franchement j'étais super contente. Alors là j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais je me suis acheté premièrement un lingerie. Vous savez, des lip lingerie, ce sont leurs rouges à lèvres mat avec beaucoup de teintes nude et tout ça. Et franchement moi j'ai pris la couleur exotique. Ouais, je crois que c'est exotique. Et bah franchement j'ai trop kiffé. La couleur magnifique, l'application géniale, super facile à appliquer, super agréable. On applique comme ça avec l'applicateur de base, hein, d'origine. Et vraiment, je sentais, mais c'était tellement smooth, tellement doux sur la bouche. C'est tellement crémeux, tellement agréable. Et franchement, le contour, il se fait tellement facilement. J'ai eu un vrai coup de cœur sur les NYX lingerie. Je dois l'avouer, franchement, c'est un super bon plan. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont méga desséchants. Je vais pas vous mentir. À la fin de la journée, vous avez des croûtes, hein, clairement. Il faut super bien s'hydrater les lèvres si vous voulez porter de la lingerie de chez NYX. Mais c'est tellement bien. Là, la preuve que j'ai même pas pu le trouver parce que j'ai dû le porter 30 millions de fois et il doit être dans mon bazar, dans ma coiffeuse. J'ai aussi pris deux autres rouges à lèvres. Donc, on va pouvoir swatcher, découvrir ensemble cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, c'est un liquide suède. Et j'ai pris la couleur Life's a Beach sous les palmiers. Donc moi, je n'ai pris que des trucs en rapport avec l'été, j'ai l'impression. Ah oui, donc en fait, l'autre, le lingerie, il a un applicateur exactement comme ça. C'est le même applicateur. Et je vais pouvoir vous swatcher ça ici. Je suis bluffée. Franchement, les textures, c'est la même texture, j'ai l'impression. C'est vraiment doux. Alors ça va pas du tout avec mon look super extravagant d'aujourd'hui. Mais c'est très joli. Franchement, c'est un petit rose corail super joli. Encore un liquide suède. Cette fois-ci, c'est le Foul Mouth Vulgaire. Donc là, on a pris un virage. On n'est plus du tout dans l'été. Là, on est clairement dans l'automne-hiver. Toujours le même applicateur. Oh, mais franchement, je suis tombée amoureuse de cet applicateur-là. Eh bien, c'est pareil, on va swatcher. Non, mais est-ce que vous avez vu ces beautés en vrai? Oh, je suis fan. Et enfin, dernièrement, j'ai pris un eyeliner parce que l'eyeliner, c'est la vie. Et je l'ai pris en teinte violet. Donc, le vinyl eyeliner. Je l'ai pris en teinte violet parce que ça change. J'ai pas de liner violet. Bon, c'est une pointe assez fine en pinceau. Et ouais, je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec. Vous en pensez quoi? Ça a son style, hein, honnêtement. C'est cool. Du coup, je sens les rouges à lèvres qui sont en train de sécher sur ma main. Est-ce que c'est fini? Bah non, pas encore, parce que je suis complètement folle et que j'ai racheté des choses chez MAC. Alors là, c'est simple. J'ai attendu la dernière des marques. Du coup, j'avais tout à moins 50%. C'était vraiment top. Alors déjà, si on commence par le soin. J'ai ce soin de la gamme Lightful Sea, qui est un nettoyant, en fait, qui est à l'origine à 25 euros, que j'ai eu à 12,50 €. Et donc voilà, c'est un nettoyant que vous allez utiliser à l'eau, en fait, tout simplement, que vous allez pouvoir faire mousser, comme beaucoup de nettoyants. Il est inspiré des routines de soins asiatiques, donc vous avez beaucoup de bienfaits à l'intérieur, hein. Je pense qu'on fera un petit point sur le layering ensemble ou des choses comme ça. Mais voilà, j'ai hâte de le tester. J'ai pris dans la même gamme la crème teintée qui a un SPF 30 et je l'ai prise en teinte médium. Voilà, donc pareil, elle était à moins 50%. Donc, à ce prix-là, on se dit why not quoi. J'en avais plus en plus de crème teintée, je les avais toutes finies. Donc là, c'est carrément l'occasion. Et puis, je sais qu'il y a du. Enfin, le soin est bon à l'intérieur. Alors, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde. Je me suis pris l'anti-cerne Matchmaster. Je l'ai pris en teinte 2.0.
Et c'est un anti-cerne en stick en fait. D'ailleurs, déjà le packaging il est super beau, il est super classe, on dirait un rouge à lèvres. Le côté mat un peu comme ça du métal, c'est trop joli. Et donc voilà, donc c'est un stick comme ça. Et j'étais un petit peu réticente à utiliser un stick au départ, mais finalement, j'ai testé celui-ci plusieurs fois en boutique. Et ben, je l'ai trouvé très agréable à utiliser. Je l'ai trouvé pas du tout sticky, pas du tout épais et très facile à tapoter ou à étirer selon les goûts. Je l'ai trouvé suffisamment couvrant sans être patchy, sans être trop visible, trop présent sur la peau. Et du coup, c'était pour moi vraiment un grand oui. Il fallait que je le teste. C'était le moment ou jamais. Donc je me le suis procuré et bah pareil, j'ai hâte de le porter. De toute façon, comme tout ce que j'ai acheté, j'ai vraiment hâte de les porter. Je ne pouvais pas partir sans acheter cette poudre qui est la poudre pressée, la Sheer Pressed en teinte NC20. Donc c'est une poudre de finition à mettre par-dessus son fond de teint qui est livrée avec la petite éponge. Voilà. Donc je ne connais pas trop cette poudre encore, il faudra que je teste. Maintenant, on passe aux rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres, j'en ai pris deux. J'ai pris deux rétro mats, hein, soyons fous, soyons complètement fous. Il y a celui-ci que je porte qui s'appelle In Retrograde et qui est un sublime rouge métallique. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vraiment ce rouge, il est dingue. Voilà, bon, est-ce que c'est pas un truc de ouf? Et ça, c'est mon go-to du moment, vraiment, ce rouge à lèvres. Je le porte tout le temps. D'ailleurs, si vous checkez mon Instagram, vous le savez, j'ai fait un petit look avec un... mélangé avec un gloss il n'y a pas très longtemps. Ça a beaucoup plu. Et le Silver Spoon. Voilà, donc, qui est un gris métallisé également. Franchement, le métallique en ce moment, c'est méga à la mode. Moi, quand j'ai vu que ça, c'était en solde, je me suis dit, what the fuck? C'est pas possible! Et trop beau. Franchement... De toute façon, toute la gamme rétro mat métallique, je les surkiffe. Je comprends pas comment ils ont pu sortir un truc aussi beau et que je l'avais pas déjà dans mon armoire en fait. C'est un truc de folie qui me reste un petit peu de place. Il me reste un petit peu de place là. Bah honnêtement, il est super foncé, mais il est tellement lumineux. Ça se porte tellement bien ce genre de couleur. Et voyez le rouge qui a séché, du coup, il garde son côté métallique comme ça. C'est tellement joli. Oh! Je sais pas quelle est votre couleur préférée. En tout cas, pour les rouges à lèvres, je vous ai déjà tout présenté. Donc, n'hésitez pas à me dire quelle est votre couleur préférée parmi ces quatre-là. J'ai donc deux couleurs, on va dire, un peu plus portables et deux couleurs un peu plus originales. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire 1, 2, 3 ou 4 en commentaire. Ça pourrait être sympa. Bon, vous connaissez mon amour inconditionnel pour MAC. Mais je pense qu'on va changer de marque parce que sinon, on va jamais avancer. J'ai été chez Rituals et j'ai également fait quelques petits achats. Donc, notamment ce gel douche Rituals of Hammam. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Rituals. C'est juste une marque de soins de dingue. C'est une marque basée sur le concept du voyage, sur le concept du zen, sur le concept du bien-être, sur le concept du développement personnel, sur le concept du yoga. Enfin voilà, vraiment tout ce qui est zen, bien-être. Déjà, quand vous rentrez dans une boutique Rituals, vous avez toutes ces fleurs de cerisier là, toute cette décoration, ça vous met dans un mood de folie. Et moi, j'adore. J'adore leur senteur, j'adore leur concept. J'adore, vraiment, on est toujours très bien accueillis. Et voilà. Et le gel douche, je l'ai eu en solde, effectivement. J'allais à la piscine après et il me fallait un gel douche. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'était le seul qui restait en solde. Il sent très bon. Il est un peu, je dirais, masculin quand même dans la senteur, Ritual of Hammam. Mais bah, franchement, il est très agréable. C'est eucalyptus et rosemary. Donc, rosemary, c'est. Romarin en anglais. Donc effectivement, c'est des notes un petit peu masculines, mais ça va super bien. Vous allez appuyer, bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de gaspiller, mais vous allez avoir une mousse qui va au contact de l'eau vraiment être très onctueuse, très douce sur la peau, qui va, vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans un cocon. Honnêtement, j'ai jamais vu ça sur un gel douche de toute ma vie. J'ai été sur le bip. Et après ça, ma peau est restée très douce, très longtemps. Déjà que moi, j'ai la peau déjà assez douce.
Mais là, c'était hallucinant, quoi. Juste, ma collègue, elle passe à côté de moi, hop, et direct, elle a senti, elle a dit, mais c'est quoi ta peau, là? C'est ouf et tout. Et bah, franchement, c'est juste rituels, en fait. C'est un truc de dingue. Et je me suis pris deux petits masques en biocellulose. J'ai très hâte de les tester. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un ce soir et que je vais faire une revue sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous y êtes. On s'amuse toujours très très bien sur Instagram de toute façon. Moi j'adore cette plateforme. Ouais, pourquoi pas, hein. J'ai vraiment envie de tester. Qu'est-ce que je vais mettre ce soir? Le bleu, je pense. En fait, celui-là il est pour l'hydratation et celui-ci il est anti-âge. Bon. On arrive aux derniers achats, mais pas des moindres. J'ai été chez Sephora, comme toute beauty addict qui se respecte. Je pense qu'on est bien d'accord, c'est quand même le temple de la beauté. Si t'as jamais mis les pieds chez Sephora et que t'aimes le make-up, que t'aimes le soin, ben t'es bizarre, tu sors d'où? Je me suis pris ce petit gel antibactérien de la marque Andy dans le but de le mettre dans mon sac à main. Donc c'est ce que je vais faire illico presto et puis ben j'en parlerai sur le blog, peut-être ici même une prochaine fois. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas encore dire grand-chose sur ce produit, à part que c'est une marque ultra connue, donc à mon avis, c'est bien. Je pense que c'est bien. Je ne m'attends pas à un truc de fou, je ne m'attends pas à un truc nul, je m'attends à un truc bien. Donc on va voir ça. Oh my god, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des dupes et je me suis procuré une véritable beauty blender. Je suis tombée en amour. Comment dire, comment j'ai pu faire pour m'en passer en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai toujours voulu trouver un dupe. Je ne sais pas ce qui se passait par ma tête. Je les ai toutes faites. Les Nocibé, vraiment, j'ai tout fait. C'est de la bombe. C'est tellement moelleux. La sensation sur le visage est tellement agréable. Ça travaille tellement bien le fond de teint. Je suis amoureuse. Et je pense que du coup, je vais me prendre le grand format et je vais m'en prendre plusieurs afin de, ben, de pouvoir rouler au niveau du nettoyage et d'avoir un maximum d'hygiène possible. Mais ouais, je suis ravie. Et enfin, j'ai pris une palette parce que je pouvais pas faire les soldes sans acheter une palette de maquillage. Et j'ai pris la mixologie de Sandrea en collaboration avec Sephora. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sandrea, quand même, c'est une youtubeuse beauté très très connue qui est actuellement aux États-Unis et que j'aime beaucoup. C'est une fille très simple, très jolie, qui fait des vidéos de très bonne qualité. Donc je vous encourage à aller voir sa chaîne, même si je suis persuadée qu'elle n'a pas besoin de ma publicité. Mais voilà, elle est cool. Elle est cool. Et il faut savoir que j'ai résisté jusque-là. Je voulais pas l'ouvrir avant la vidéo. C'est beau, c'est beau. Donc j'ai la petite feuille avec tous les noms là que je vais mettre de côté. Et donc voici la palette. Elle est trop sympa. En fait, moi j'étais fan du design comme ça, en rosace un petit peu. Et je pense qu'on peut carrément faire des looks sympas. Il y a des couleurs pour tous les jours et là il y a des couleurs un petit peu plus audacieuses en haut. Voilà, je pense que c'est vraiment une palette qui est complète. Je vais en faire, ça c'est sûr et certain, des articles, des looks. Je vais m'éclater. Je la voulais depuis longtemps. Mais ben voilà, des fois il y a des priorités, on achète autre chose. Et la trouver en solde, franchement pour moi c'était juste trop bien. J'ai espéré trouver l'highlighter de Sananas en collaboration avec Becca, puisque je sais qu'elle était en solde, mais je ne l'ai pas trouvé dans ma ville. À mon avis, tout le monde s'est jeté dessus. Et donc il y a un pinceau comme ça, donc à double embout. Et franchement, il est plutôt sympa. Le poil est assez souple. Donc là pour on va pouvoir, je pense, très largement appliquer des choses ou même estomper des choses avec ça. Et là, avec ça, on va pouvoir faire des choses un peu plus précises. Donc, que ce soit en coin interne ou même si on veut faire un crease, un creux de paupière bien défini. Voilà, je pense que on peut bien travailler. Et franchement, les poils, ils sont doux, hein.
Choquée. Écoutez les amis, c'est sur cette note-là que je vous quitte, mais pas pour très longtemps. Sachez qu'on se retrouve ici chaque semaine. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, de discuter un petit peu avec moi. Eh bien, vous pouvez revenir à chaque fois. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification et vous pouvez partager. Vous pouvez faire plein de choses. En fait, vous pouvez discuter en commentaire. D'ailleurs, dites-moi si vous avez fait un peu les soldes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui vous ont plu dans ce que je vous ai montré, que vous auriez peut-être voulu trouver? Quelles sont vos pépites à vous? Voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!